À 14h, il y avait déjà plus d'une centaine de personnes, des gens de Tavère, mais aussi des trois villages proches de la Gravonne. L'action de force, il y a 15 jours, qui a bloqué de façon spectaculaire l'accès aux estives, met la vallée dans les mois, comme les lettres de menaces envoyées à deux bergers. Ils sont là, contents de ce soutien, mais ils ont besoin très vite que la piste soit débloquée. Nous, on caille le lait là-haut pendant un mois. C'est toute une logistique, monter les patios, les bidons et tout le tralala. Si on doit s'accrocher avec les mules, on ne le fera plus. On montera les bêtes sèches et c'est dommage. C'est dommage pour le site, c'est dommage pour notre façon de travailler, notre façon de vivre. Des élus des villages et de la collectivité ont aussi répondu à l'appel de Via Campagnola. À côté de la nécessaire solution immédiate, on comprend que la gestion de l'estive est complexe. Il y a des abus, je dirais, les 4x4, les motos, les quads. Bon. Après, moi je pense qu'il y a des solutions, il faut qu'on les cherche tous ensemble. Oui, mais certains veulent réserver ces terres communales aux éleveurs, d'autres non. À un moment donné, il faut que les choses soient dans un cadre. Le cadre, c'est aux élus des communes à proposer le cadre qui est validé par la collectivité. Et que ce soit les éleveurs, les randonneurs, les chasseurs, les pêcheurs rentreront dans ce cadre. Tentative de réunion plus formelle au bar avec ou entre élus. Il fixe au 29 juin une rencontre à l'Assemblée de Corse. Pour les principaux concernés, c'est donc qu'il n'y a aucun engagement vraiment ferme. On ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas comment on va gérer le lendemain. On sait pas. Non, là pour nous, au jour d'aujourd'hui, pour enfin, moi et les autres bergers qui m'entendent, ça reste obscur. Hein. Une absence de taille a été relevée toute l'après-midi, celle du maire de Tavère. Mais il a fait savoir qu'il travaille de son côté pour sortir de cette situation et qu'il sera à la réunion de l'Assemblée.